Les previews, la présentation de chaque équipe du top 14, une par jour pendant deux semaines. Aujourd'hui, on va parler de La Rochelle avec moi Léo Fort. Aujourd'hui, Salut Léo. Salut Baptiste. Comment ça va Ça va très bien. Bon, les Rochelle qui sortent d'une saison exceptionnelle, l'an ouais. passé. Peut-être la meilleure de l'histoire du club ah pas peut-être, c'est ouais. euh, assurément, assurément la, la, la meilleure saison. Alors effectivement, y a, y a, on peut toujours garder ce point négatif qu'elle se finisse en titre, mais, euh, mais deux finales, quand on connaît la difficulté et la longueur d'un top 14 qui est vraiment un marathon, et la difficulté en termes de, de niveau et d'exigence d'une Coupe d'Europe, toucher la finale dans les deux compétitions, oui c'est exceptionnel. Il ouais. Ouais, manque juste la story sur le gâteau, mais, mais franchement respect pour ce qu'ils ont accompli l'an dernier. Très bien. Donc, cette émission, on va parler de tout. On a dit des recrues. On va aussi ouais. parler de, de l'effectif, des points forts, des points faibles. Mais on revient d'abord sur, comme on l'a dit, sur cette, cette saison dernière. Est-ce qu'il y a pas un risque de, de blocage, comme, comme l'ASM l'a longtemps connu, avec ces deux finales perdues, deux fois contre Toulouse en plus? Est-ce que les Rochelais sont à abri de ça ou pas? Ouais, alors, pour l'instant, je, je les pense très loin de ça parce que il y a deux finales perdues, mais c'est l'heure de première, On n'est pas quand même sur une série très longue. Euh, parler de blocage psychologique, ça me paraît un petit peu, très ouais, même très excessif. Euh, ils perdent deux fois contre Toulouse, certes, mais assez clairement, Toulouse était la meilleure équipe d'Europe l'an dernier. Il y a, y, a, y a quand même pas d'énormes débats. Euh, donc, c'est pas des matchs où ils sont. On, on, alors, la finale Top 14, c'est un petit peu différent. C'est un match où ils sont quand même passés à travers, mais qui au bout d'un marathon. Euh, mais la finale de Coup je veux dire, ils seront complètement dans le match, ils sortent une grosse prestation, il n'y a pas de blocage psychologique, donc, euh, donc non, non, je n'ai pas d'inquiétude pour eux sur ce point-là. Euh, je ne les vois pas du tout euh, dans, dans une spirale psychologique négative par rapport euh, à l'événement final. Dans Gaspin, on a rencontré Pierre Bourgarit, et voici le bilan que lui dresse de l'an passé. Un peu de la même manière dont tu viens de décrire, c'est vrai qu'elle est assez exceptionnelle pour le club, puisqu'on réussit à faire deux finales qui sont historiques pour le club, et bien sûr... Euh d'un côté extrêmement déçu puisque deux opportunités de rater donc euh, forcément il y a, y a un mix entre joie et déception donc euh, voilà après des finales tout le monde en perd il en fout, malheureusement il faut un perdant et un gagnant donc euh, voilà ça a été deux fois nous à nous cette saison de, voilà, de se reprendre en main de, de recommencer un peu pas de zéro mais voilà de de pas se dire ça, ça va être pareil parce que c'est jamais pareil, d'une à l'autre et voilà donc euh, de se remettre au travail et, et c est, c est, cette année de remporter. Pierre bourgari très déçu mais pas abattu, on est d'accord, ce qu'on a vu l'an passé, Léo c'est pas un feu de paille, La Rochelle c'est voilà, une équipe qui devient un grande de France, un grand Europe, sert d'être lancé pour quelques années maintenant. Ouais, est, enfin, déjà ça s'est lancé il y a quelques années ouais. surtout, c'est pour ça que c'est pas un feu de paille, on n'est pas sur une équipe qui ponctuellement effectivement a pris un peu feu et a joué un petit peu au-dessus de son niveau réel. Euh, non, ils ont, ils ont quand même des demi-finales, des quartiers de coupe d'Europe avant qu'ils tombent, une demi-finale en 2017 de mémoire. Euh, C'est un vrai club qui cette année-là, d'ailleurs, en 2017, il termine le top 14 en tête de mmh. phase régulière. Euh, C'est un club qui monte en puissance, clairement, qui s'est construit depuis son accession du Pro D2 au top 14, euh, qui s'installe dans le haut du tableau qui se construit pour... On n'est pas du tout dans un épiphénomène. On est ouais. sur un club qu'on qu va voir encore pendant, pendant quelques années et peut-être même beaucoup d'années. Pour en revenir à, à cette saison, les Rocheliers ont décidé de faire une préparation sans match amicaux, mmh. de rester entre eux. C'est une drôle de manière de faire, quand même. Alors, c'est une tendance un peu globale, déjà. On le voit, il y, y a quelques années... On voyait les clubs qui multipliaient les matchs amicaux pendant l'été, 3-4 pour certains. Aujourd'hui, je pense qu'aucun club top 14 n'en a fait 3. Euh, le maximum c'est 2. La moyenne elle est même à 1. Alors effectivement, les Rochelais, ils ont poussé la chose un peu à l'extrême avec 0. Ils le justifient en disant que déjà que la saison dernière a été très longue, euh, de 13 mois en termes... Euh, d'amplitude, mais aussi particulièrement pour eux parce que on l'a dit, il y a deux finales, donc très éprouvante physiquement. Il y avait vraiment un besoin de, de, de couper et de récupérer. On voit que les Toulousains aussi ont coupé très longtemps, qui ont été de, sur le même schéma avec deux finales. Alors eux, ils ont calé un match amical, les Rochelais à zéro. Ils ont un effectif qui a, qui a quand même pas énormément bougé. Je suis pas sûr qu'ils aient une énorme quête de repère. Aujourd'hui, les Rochelais, ils se connaissent, ils sont en place collectivement. Il y a un faux changement de staff, parce qu'effectivement, John Gibbs est parti à Clermont, mais sauf que la succession, ouais. elle, a accès, elle est déjà dans les mains d'Ogara, qui était déjà là et qui avait quand même de grosses responsabilités déjà sous l'air Gibbs. Euh, donc je ne suis pas convaincu que ce soit problématique pour eux. En fait, ils ont, ils ont privilégié la fraîcheur. Ils seront en place. Hein. On a posé la même question à Pierre Bourguerite sur ce début de saison, sur un Match Amico, et il est exactement de ton avis. Pour l'instant, tout se passe bien. On a repris un peu petit à petit. Ceux qui avaient arrêté un peu plus tôt ont repris un peu plus tôt. Ceux qui avaient fini les derniers ont repris un peu plus tard. Mais euh... Franchement, tout se passe très bien. Euh, L'état d'esprit, euh, la joie de vivre du groupe, euh, elle est présente. Euh, après, voilà, comme tu dis, on n'a pas de, de matchs amicaux euh, de prévu euh, sur cette intersaison. Mais, euh, mais on, va faire, on a quand même une, une, une opposition entre nous euh, qui nous attend samedi. Donc, voilà, on, on travaille bien la semaine. Hein, on, on se met en, un peu en, en condition de match. Ça nous permet de, de bien nous préparer. On commence la, la deuxième partie maintenant sur sur les recrues. Alors on a l'impression que c'est quelque chose que Rocher avait déjà fait l'an passé, un recrutement pas nombreux, six joueurs, mais très très similaire. L'an passé, il y avait eu Dylan Leeds, Brice Dulin, et Will Skeleton ouais. surtout qui est arrivé du puissant en cours de saison l'année d'avant. Mais voilà, c'est peu de joueurs, mais, mais beaucoup de qualité, à des endroits très précis. On sent un club qui, qui travaille bien dans le sens où ils, ils établissent des profils avant, selon les postes et selon les profils de joueurs, de ce qu'ils ont besoin. On, C'est pas un marché d'opportunité, ce que je veux dire. On n'est pas ouais. dans, dans un club qui, il y a une opportunité qui se présente, ils la saisissent. Ouais. Ils vraiment, on, ils bossent en amont de, sur leurs besoins en termes d'effectifs, que ce soit en qualité, en nombre, en profil. Ils ciblent. Euh, D'ailleurs, ils n'ont pas de recrutement tardif. C'est des choses qui ont non. été faites assez tôt dans la saison. Euh, ils, ont, ils ont simplement rééquilibré leur effectif ou compensé des départs. Mais, euh, mais tout est bien pensé, ouais, effectivement. On a, on a, ça ressemble de toute façon à ce club. On a. C'est pas très. C'est ouais. pas un club très impulsif. Tout est bien pensé. Tout est propre. C'est bien fait, quoi. Ouais. Et puis ça, ça pas dans tous les sens. C'est voilà. Donc euh, cette recrue, on va commencer. On va dire un petit mot sur chaque. On commence avec le, le pilier argentin, Joël Sklavi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur alors, pas c'est pas un, une star de, de la scène mondiale. Euh, c'est un joueur qui a, qui a apparu un petit peu sous le maillot des Jaguars euh, l'année où ils vont en finale de, de Super mm -hmm. Rugby, mais qui joue très peu, euh, de titularisation seulement. Ouais. Euh, qui est passé, je crois, de mémoire par peau, mais qui a très peu joué également. Sa seule saison pleine, elle a été en France, à Soyo, en Pro D2. Euh, sur le profil, c'est un, un énorme volume euh, mm -hmm. physique. Je crois ouais. qu'il a annoncé à 144 ou 145 80, kilos. on a 90, oui. Euh, ouais. Voilà, c'est un, un, un monstre physiquement. Ouais. Ça ressemble à ce qu'aiment les Rochelais concrètement, ils en ont déjà pas mal, des joueurs de, de gros calibre comme ça, ça colle aussi avec leur, leur ADN de jeu, où ils cherchent à avoir des gros porteurs qui cassent la ligne davantage, qui permettent à tout le monde d'enclencher la marche avant. Donc on, on est dans un recrutement assez... à la fois sur le, le CV, ils cherchent pas toujours des CV très clinquants, et puis à la fois sur le profil, sur ce qu'aiment bien les Rochelais depuis plusieurs années. Ouais. Alors le deuxième, le deuxième pilier qui arrive, c'est Gouram Papidze, le Georgien. Ouais. Hein. Un petit peu la même chose, euh, joueur qui vient de Pro D2 de Nevers où euh, où il a été très bon l'an dernier, il a beaucoup joué et puis il a fait il a fait une vraie grosse saison. Pareil, alors un petit peu, un petit peu moins, moins lourd, mais 125 kilos, ça reste quand même des gros calibres pour des piliers. Aujourd'hui, on, on voit beaucoup qu'il y a cette tendance euh, dans pas mal de nations d'avoir des piliers qui courent, qui se déplacent énormément. Ça peut être son cas, mais, mais voilà, on est, on est quand même sur un gros volume physique. Euh, piliers droit également, je l'ai pas dit pour ce Skali, ouais, euh, c'est ouais. deux piliers droits qui viennent compenser numériquement le départ de Joly à, à Perpignan et à compléter le poste avec Antonio. Sur les profils, on peut penser quand même qu'Antonio. Devrait logiquement rester numéro ouais. un. Euh, il n'est pas, pas directement menacé. On verra, on verra l'usage et dans les performances. Mais, mais sur le papier, il n'est pas directement menacé. Ils n'y ont pas pris un, un monstre international. Très bien. Ensuite, on passe derrière Rémi Piquet en deuxième ligne c'est ça Ouais, alors, super, super recrutement. Tipeee Rochelet, ouais. euh, cherché en pro des hum, alors, deux. Alors, ils se servent aussi de, la, de leur filière. À la fois de leur proximité géographique et, euh, et euh, les bonnes relations qu'entretiennent le club de Vannes et de La Rochelle, puisque c'est un joueur formé à La Rochelle qui est parti à Vannes, <coughs> comme Poplin, on le verra ouais. après d'ailleurs, qui revient au club. Euh, la, la vraie grosse prise, elle est certainement là, je pense. Ouais. C'est un joueur qui joue euh, quasiment exclusivement 5, il est capable de jouer 4, mais plutôt 5, euh, qui a mis du temps, qui a, qui a fait son chemin à, à Vannes pour s'installer. L'an dernier, il est complètement installé, il est parmi les meilleurs deuxième ligne de pro d deux. Quand on discute un peu avec les Vannetais, il tarisse pas d'éloges, ouais. il parle même de l'équipe de France et du Mondial 2023, euh, les 20 T. Il s'appuie beaucoup sur les datas, sur les chiffres, mmh. en, en disant, regardez ses, sa qualité dans la multiplication des tâches, la capacité à se déplacer, à plaquer, se relever, plaquer, se relever, ce que, ce que les, les entraîneurs regardent beaucoup aujourd'hui. Euh, et il est sur des standards internationaux comparables à ce que font les joueurs de l'équipe de France, en fait, déjà. Alors, il va falloir que tout ça, il le, il le prouve maintenant au niveau top 14, où ça va un peu plus vite, ça tape un peu plus fort. Mais c'est un joueur qui a 26 ans de mémoire, euh, il... Il est ouais très 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 belle prise. T en as parlé déjà. Le suivant c'est Pierre Poplin, calme ouais, de, de Vannes le même parcours, donc, à même près, parcours. Ouais, près. ils ont ils ont le même âge, formé à La Rochelle, parti à Vannes où il a il a trouvé son temps de jeu. <laughs> parcours un petit peu particulier, alors, très comparable à Anthony Boutier mm -hmm. qu'on connaît bien, euh, qui était l'ouvreur de, de Vannes, qui ensuite était euh, qui était l'ouvreur, qui a été passé arrière, qui a joué anglais entre les deux postes avant de partir à Montpellier. Lui il est historiquement arrière de Vannes quand Boutier passe en 10. Ouais. Euh, il s'ouvre la place comme ça. Et derrière, euh, il recrute à Ben Danone, Boutier par à Montpellier, et c'est oh, lui qui devient là. ouvreur. Donc, il passe de 15 à 10 sur le même parcours que, que Boutier. On lui souhaite la, le <laughs> <m> la, <laughs> la même suite, de devenir international. Euh, là aussi, bon, le joueur euh, assez fin, c'est pas un énorme gabarit, euh, très bel animateur. Juste pour euh, comprendre la qualité du recrutement, c'est un joueur que voulait également Toulouse, Clermont, Lyon. Donc, quand ouais. on a ces noms là qui sont qui sont à la bataille sur un joueur pro des deux en général, c'est quand même que c'est un joueur assez dominant en Pro des deux. bon buteur. Euh, ouais, va, il, sera, il sera au match pour, pour le poste de titulaire à l'ouverture. Bon, le suivant est beaucoup plus connu, c'est Jonathan Danti. Ouais, alors c'est la tête d'affiche du ouais. recrutement, clairement. Il euh, y a deux Jonathan Danti. c'est un joueur... Il y a des temps très forts dans sa carrière où il est, il est certainement le meilleur centre de France. Il a des moments beaucoup plus faibles dans sa carrière. Sur ce qui monte depuis 6-8 mois à Paris, c'est du grand denti. Ce qu'on a vu en Australie ah, avec l'équipe ouais. de France, c'est du grand denti. Euh, on a retrouvé le denti de 2015 quand les Parisiens sont champions de France. Euh, physiquement, euh, quand il a ce, voilà, naturellement, il est lourd, il est dense, mais, mais quand il a ce gaz-là en plus, il fait mal offensivement, il fait mal défensivement. C'est euh, un mec, Jonathan, qui a un super état d'esprit dans un vestiaire, qui est, qui est toujours euh, plutôt frais, souriant, euh, voilà, qui, qui est de bonne humeur, qui, qui rejoint en plus pas mal de gens qu'il connaît. Euh, je pense à saint zel son grand copain Jules Pisson. Euh, ouais, non, s'il maintient à ce niveau-là, voilà, après il y a toujours cette équation-là de savoir est-ce qu'il va rester à ce niveau-là. Mais quand il voit ce niveau de forme physique qu'il a depuis quelques mois, ouais, ouais c'est du top niveau français et c'est du niveau mondial. Et on termine du coup avec Enrico Bouilly-Rua-Rua, Rua, le bréviste. Tout à fait, centre aussi. Euh, ouais, centre aussi, alors forcément moins connu, qui est... Voilà, assez vite, on peut penser que Danti va prendre une place de titulaire parce qu'il a, il a toutes les armes pour. Euh, Bouli roi roi, j'imagine, et plus, plus dans une rotation un joueur que de complément, entre guillemets, ça enlève rien. Il vient de faire une très belle saison à Brive. Hein. Mais quand on regarde sa concurrence au centre, ne serait-ce que Danti Botia. La place, elle est, elle est chère quand même à la Rochelle au centre. Ouais, ouais, euh, oui. Bon joueur quand même, hein, c'est un mec qui fait 105 kg, donc c'est un bel athlète qui se déplace, qui c'est pas, pas un boeuf, sans vulgarité, ouais. mais il se déplace quand même, c'est un bon joueur de rugby. Donc, euh, bah, on, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, un effectif qui est très bien construit. C'est-à-dire que même celui qui est sur le papier par numéro 2, voire numéro 3 du poste, ça reste un très bon joueur. C'est Ce qui veut dire que quand la Rochelle va faire tourner, ils vont, ils vont pas être marrants à prendre pour ouais. autant. Donc, ouais. euh, quand on a dit ça, ouais, c'est un recrutement intéressant. Allez, on passe au, au départ. Les joueurs qui quittent le club, une ouais. petite dizaine de joueurs ont quitté le club, on a cité déjà. Il y a eu Arthur Joly, Luoni Huila, Van Der Merwe, Timani Kift, Pierre Aguillon, Geoffrey Doumérou et Sweetnam. Alors, parmi ces joueurs qui valent le plus manquer à Rochelle, on pense évidemment à Geoffrey Doumérou, mais pas que. Ouais, j'en retiendrai trois. Alors, euh... Sur le, le sportif pur certainement Doumerou. C'était le joueur qui euh, est... C'est un vrai patron de défense, notamment excellent défenseur, lui individuellement, sur, sur l'homme et sur ses choix, mais c'est quelqu'un aussi qui vraiment pilote une défense et ça ça, ça vaut cher dans le rugby aujourd'hui. Mais euh, je retiendrai aussi quand même Guy, euh, Kift et, et Aguillon. Euh, Kift pour le parcours qu'il a eu à La Rochelle, c'est vraiment euh, quelqu'un qui a tout connu là. C'était une dame du vestiaire, c'était quelqu'un d'important. Et, euh, et C'est un peu le même profil pour Aguillon, même s'il arrivait un peu plus tard euh, en provenance d'Oyonnax. Mais alors, tout ce, sur tout ce qui est état d'esprit, c'est quelqu'un, Pierre Aguillon, qui a une approche du rugby amateur dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que, mmh. attention, d'ailleurs de ce que j'en ai compris, mmh. il arrive à casse particulièrement affûté, donc mmh. pas amateur dans, dans tout ce qui est préparation alentour, mais dans, dans son approche psychologique, oui, il a une fraîcheur dans son approche au rugby qui est aujourd'hui quand même professionnel, très cadrée, parfois un peu, un peu ennuyeux. Bah, ouais, il apporte cette bulle d'amateurisme-là qui peut être importante dans un vestiaire, dans un état d'esprit d'une équipe, sur le côté collectif, l'approche collective de ce sport. Euh, c'est quelqu'un d'important. Ça m'étonne pas qu'il ait signé à Castres. Il, ouais, il ira bien dans l'état d'esprit avec Castres. Ouais. Ouais. Euh, je trouve qu'il va bien coller. Et je pense que c'est quelqu'un qui avait quand même, un, même s'il a moins joué la dernière saison, qui avait, qui avait de la valeur dans l'effectif Rochelet. D'accord, très bien. Et cette question à propos de l'effectif et la qualité du recrutement, on l'a également posée à Pierre Bourgarit. On a eu six recrues. Euh, bon, il y a Joe Dante qui est arrivé un peu tardivement puisqu'il était parti avec euh, avec les les bleus à, en Australie. Euh, et après on a pas mal de mecs de Pro-2 qui sont arrivés. Et, euh, non, franchement, euh, pour te dire, elles sont les recrues, elles sont arrivées, elles étaient prêtes. Il y en a un qui a qui est arrivé avec euh, 5-6 kilos de trop. Donc euh, non non, ils sont tous arrivés. Euh, en état et en, en bonne conditions physiques. Et après, voilà, comme pour te dire, ça se passe très bien. Il y a des recrues qui étaient là bien avant que j'arrive, moi, donc, comme Poplin, Piquet, qui sont passés par les des d'espoir ici, qui sont partis avant qui sont qui viennent de revenir. Donc, voilà, certains connaissaient déjà très bien. La maison, si je peux dire comme ça, parce que la pizzeria n'était pas construite au moment où ils sont partis, mais euh, voilà, c'est des, des, des garçons qui, qui connaissaient très bien un peu le lieu, le cadre, le club, donc euh, ils sont très très vite adaptés. Et je pense que même les, les quatre autres ont, pu, euh, ont été très vite intégrés dans le groupe et ça se passe vraiment bien. On passe donc à la troisième thématique et au vu de ce que nous dit Pierre Bourgarit et également de ce qu'on voit du recrutement, on peut imaginer que le point fort Rochelet, ça va continuer de rester sur, sur la puissance que, que développe ah ouais. l'équipe en général. Bon, C'était leur, leur point fort depuis deux saisons, ça s'est vraiment beaucoup vu l'an dernier. Mm. Euh, alors, on parlait tout à l'heure des finales, on va, mm. effectivement on va sortir la finale de top 14 où Toulouse a été très supérieur, mais aussi parce que les Rochelais ont été très décevants. Euh, mais la finale de Coupe d'Europe, si on la reprend, les Toulousains sont champions, mais franchement, à 14 ce qu'ils ont fait les Rochelet. La manière dont ils ont bousculé, voire fait mal aux Toulousains physiquement. Et, et c'est pas rien, hein, parce que le Stade Toulousain, physiquement, il n'y a, ah, y a, oui, y a oui, personne oui. qui les bouge, peut-être, à part la Rochelle. Ouais. Euh, donc c'est donc vraiment leur identité, leur ADN. On sent vraiment la patte euh, Gibbs, mais aussi Ogara qu'à cette culture monster du combat, de la densité physique, de, de faire mal à l'adversaire dans les règles de l'art, mais, mais, mais il faut marquer l'adversaire. quoi. Et, euh, et bah, du coup, quand on applique cette ADN-là, on recrute en conséquence. Donc on, quand je disais qu'ils qu construisent un effectif intelligemment, c'est ça, c'est qu'ils ils prennent pas un joueur pour faire un joueur, et parce qu'ils ne savent pas ce qui va aller dans leur projet. Euh, ils ont déjà des énormes euh, joueurs porteurs de balles, euh, forcément Antonio, alors forcément Bourgarit, qui n'est pas le plus lourd, mais qui avec sa densité, ouais. et avec sa vitesse, fait très mal. Skelton, qui est l'exemple absolu. Winster, aussi, euh, absolu. Aldrit dans son profil de troisième ligne, bah c'est vraiment la densité, c'est quelqu'un qui est dur euh, sur la ligne d'avantage, qui est dur défensivement, dur offensivement. Euh, Vito, enfin voilà, ils, ils ont vraiment au sein du terrain également Bautia. Et puis bah, il... Ils auraient pu prendre le parti d'équilibrer un petit peu, de prendre d'autres profils. Alors, ils en ont quand même, faut pas, c'est pas exclusivement, ouais. euh, des, 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 gros porteurs de balles. Ils ont, ils ont des joueurs qui se déplacent, des Dulins, des Lisses, des choses comme ça. Mais c'est vrai que la thématique, est minorité, est, même, ouais. la, la thématique, elle est quand même clairement identifiée. Et là-dessus, ils ont choisi de faire rentrer, bah, encore du Jonathan Danti. Ouais. Encore, on l'a dit, euh, Scl euh voilà. Sclavi, euh, pardon. Euh, Sclavie, oui. Euh, voilà. On reste quand même dans cette thématique-là. Clairement, l'ADN Rochelet, euh, mais, mais la comparaison est assez bonne avec, euh, avec euh, Rogara et donc le Munster. Mmh. On est dans cet ADN-là quand même. Pierre Bogarit, quelle sera la, la force du Stade Rochelet cette saison On va garder euh, ces deux choses-là. Je pense que, comme tu l'as dit, il y a cette puissance devant où on a su euh, se mettre à l'avancée et ça a facilité nos, nos trois quarts pour reproduire du jeu. Euh, J'ai envie de dire aussi que défensivement, on a été euh, plutôt construit la saison dernière le seul gros bémol ça a été la discipline on a été beaucoup, de, beaucoup pénalisés, on a fait beaucoup d'indiscipline donc euh, voilà s'il y a vraiment un point sur lequel il faut qu'on s'améliore vachement euh, c'est bien, bien celui-là tout en gardant euh, tout le reste qu'on a pu faire l'année dernière Alors Léo on en parlait également avant l'émission mais cette surpuissance rochelaise est-ce que est-ce qu'on est pas en train de se tromper en s'enfermant là-dedans les rochelais se tromper, c'est euh, un modèle très anglo-saxon et même très irlandais. Euh, le Leinster fonctionne comme ça, le mmh. Monster aussi. C'est-à-dire qu'il il privilégie d'avoir un plan A très fort, et si possible invincible. Mmh. Euh, par contre, effectivement, ce sont le, le contre-coup de ça, c'est qu'ils sont, ils sont, sont vraiment très difficiles à prendre sur le, leur jeu. Mmh. Mais quand on y arrive ils ont un petit peu, un petit peu de difficulté euh, sur tout ce qui est adaptation, et trouver un plan B, et sortir de leur schéma de jeu habituel pour aller proposer autre chose. Ce qui est la grande force des Toulousains, par exemple, qui ouais. eux sont, sont capables d'avoir cette adaptation-là, avec un peu plus de lecture, d'adaptation de, voilà, de, stratégique en cours de match. Ouais. Donc oui et non, c'est un, po un point faible. Euh, Le a était trois fois champion d'Europe ouais, en oui. quatre ans, avec un, un seul plan, concrètement, avec ouais. un plan A, euh, qui était celui de Joe Schmidt, qui était euh, voilà, un jeu hyper cadré, euh, millimétré, programmé. Euh, ils ont été trois fois champions d'Europe, donc est-ce que c'est un point faible J'en suis pas convaincu. Les Rochelais ils vont deux fois en finale. Dans Le avec ils, là. Ouais. Voilà, ils vont deux fois en finale avec, avec cette, cette thématique-là de jeu. Donc euh, dire que c'est un point faible, ça serait quand même un peu, un peu rude. Mais c'est vrai qu'il va falloir quand même qu'ils arrivent à trouver, bah, sur les matchs, notamment si on pense à la finale de top 14, où ils sont moins précis sur les phases de conquête, où ils sont moins dominants sur les impacts, il faut qu'ils trouvent d'autres armes qui leur permettent de s'en sortir quand même. Et aujourd'hui, ça peut être effectivement un, un petit point faible identifié chez eux. Ouais. D'accord, très bien. Est-ce que tu... Pierre Bourghett nous parle de l'indiscipline qui était chronique chez les Rochelais en passé. Est-ce que tu vois un autre point faible pour les Rochelais cette saison Ou l'équipe ouais, est complètement chronique, je ne sais pas, je trouve dur avec lui-même. Ils, ils ont eu des, des pics d'indiscipline, mmh. mais à peu, comme à peu près toutes les équipes, ouais. après si on regarde, euh, te rester en dessous des 10 pénalités, dix, 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 dix pénalités pardon, toute la saison, c'est impossible. Donc il y a toujours des moments dans la saison sur 2, 3, 4 matchs où ça déborde un peu et puis ça revient. Euh, non, l'autre point euh, qui est assez faible, c'est les tirs au but. Ça leur a coûté cher sur les finales. Euh... Il faut qu'il... Faut, il faut qu un, un buteur de classe mondiale, ça euh, ouais. m'a pris aujourd'hui dans, ouais. dans le rugby moderne. Euh, on a dans le journal de, de vendredi un long, un long entretien d'Ogara. Il parle de ses, de ses années joueurs à, au Munster et de la manière dont il était un peu obsédé et des fois un peu négatif. Il voyait toujours le, le verre à moitié vide. Il ne parle quasiment que des tirs au but euh, parce que c'était un ouvreur, c'était un grand ouvreur, c'est quelqu'un qui a 130 ouais. ou 128 sélections, donc euh, voilà, ça parle pour lui peut-être 138 ouais, même d'ailleurs. Ouais. Euh, oui. Voilà, mais, mais ce rôle de buteur, il l'avait intégré complètement comme euh, le, son rôle numéro un, ouais. parce qu'à un moment l'équipe travaille, l'équipe se fait mal, et il faut la récompenser. Et euh, les Rochelais, bah, ben, notamment la finale de Coupe d'Europe. Ils ont, ils ont dominé le stade toulousain, il ouais. faut dire les choses clairement. Ils ont dominé le stade toulousain, mais ils ne se sont pas payés ouais. parce qu'ils parce que ont été un peu en difficulté et un peu en échec au tir au but. Donc, c'est un peu l'autre point, ouais, clairement, où il, il faut qu'ils aient des, des, des taux de réussite plus élevés que ça euh, dans l'exercice des tirs au but. Et on le rappelle, ils partiront cette saison avec les, les mêmes doublettes d'ouvreurs que Kassé, plus peu hein, ouais. qui c est aussi sont, buteur. Ouais. Mais c'est vrai clair. que sur les trois, y a, on ne voit pas de pur buteur, de profil au ouais. de profil Ogaresque. Ouais. C'est pas si commun, mais. Non, mais même de profil Wilkinson, ouais. 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 de profil de joueur comme ça. Ça reste quand même trois joueurs de ballon, ça reste quand même trois, trois joueurs qui sont assez portés sur l'animation, euh, ouais. voilà, ils ont, ils ont des grosses individualités, des grosses dimensions physiques autour d'eux, et on sent qu'eux ils sont là pour animer tout ça, pour mettre bah, ces individualités-là dans les meilleures conditions, mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas, il y a pas de, de buteur classe mondiale dedans. D'accord, très bien. On va passer à la dernière partie de cette émission, à parler d'objectifs, ouais. on a forcément posé la question à, à Pierre, Bourguerite, Pierre Bourguerite, pardon, quels sont les objectifs de la saison, et voici, voici ce qu'il nous répond. On va pas, on va pas se cacher. l'objectif, euh, voilà, bien sûr qu'il non, il est quand même d'aller chercher euh, un titre euh, cette année. Après, euh, on, on va pas se dire, on va prendre celui-là ou celui-là. C'est voilà, on va on va jouer les matchs les, les uns après les autres. Mais bien sûr que l'objectif, il est d'aller chercher un bonus ou une coupe d'Europe. Euh, on a fait, comme je disais, on a fait deux finales l'année dernière. On est passé. Euh, on est passé un peu à côté d'une et pas loin sur l'autre, mais euh, voilà, euh, les objectifs sont toujours les mêmes. Euh, le club a toujours euh, autant d'ambition, que ce soit sur le plan sportif, économique euh, ou structurel. Enfin voilà, le club prouve vraiment qu'il euh, qu a de, de belles ambitions et à nous, le joueur, de faire le maximum sur le terrain pour, pour confirmer ce que fait le, le club Andorre. Bien sûr que le top 14, c'est notre championnat, donc euh, c'est un rêve de, de lever euh, ce bouclier. Après, euh, si euh, malheureusement on gagne la Coupe d'Europe, je pense qu'on sera quand même très content. On ne peut pas dire que c'est malheureux. donc euh, préférence, Non, il n'y a pas de préférence. Je ne peux pas dire que c'est une préférence, mais bien sûr que si euh, c'est le top 14, c'est vraiment exceptionnel. Un titre forcément pour La Rochelle cette saison. Léo, voilà, pour cette Coupe d'Europe, top 14, est-ce que La Rochelle doit jouer deux tableaux Est-ce qu'elle peut Est-ce qu'un tableau lui conviendrait mieux que l'autre on entendait Pierre Bourgarit qui disait préférence quand même au top 14. Euh, C'est un, un schéma ouais, intellectuel ouais. assez classique des équipes qui ne l'ont pas gagné. Ouais. Euh, les Clermontois pendant très longtemps ont fait ça. Euh, C'est-à-dire qu'ils jouaient la Coupe d'Europe, mais sans vraiment la jouer. Alors pour le coup les Rochelais la jouent. Mais, mais dans leur discours, il y avait quand même une attirance pour ouais. le bouclier. Les Toulonnais version Bougila, même quand ils étaient champions d'Europe de, pour la deuxième fois, il y avait quand même une frustration parce que le bouclier ne l'avait pas gagné sous Sterla, là sous, sous euh, cette histoire-là. Ouais. Et euh, ils avaient vraiment cette attirance là pour le bouclier. Les Rochelais ne l'ont pas gagné, donc est, on, on est sur un schéma assez classique d'équipe qui, ne, quand on n'a pas gagné ni l'un ni l'autre, le bouclier c'est plus fort. D'abord le bouclier. Ouais. Euh, après, franchement, on en a parlé, on a assez vanté la qualité de leur recrutement et de leur effectif. C'est une équipe qui est largement armée pour jouer les deux tableaux, oui, hein. demande euh, euh, oui, oui. du monde à toute les lignes. Qui, ouais. a, qui a, deux. J'ai envie de vous dire qu'elle a deux équipes, les deux pourraient se qualifier pour les cartes coupe d'Europe. Hein. Ouais. Euh, donc euh, moi, ils n'ont pas à choisir, et de, de, de toute façon, un titre, c'est un titre, c'est un club qui en a pas de titre. Ouais. Donc, ils vont pas choisir, et ils vont certainement pas faire la fine bouche si c'est l'Europe plus que le top 14. Ça, euh, pour moi, ils sont largement armés pour jouer les deux tableaux, ils l'ont prouvé l'an dernier, avec une saison en plus très particulière parce qu'elle parce qu était vraiment à rallonge, et ils sont quand même allés au bout des deux tableaux. Euh, ils n'ont surtout pas à choisir, il a totalement raison. Ouais. Maintenant, je comprends son ouais. petit crush pour le, pour le top 14. Ouais, comme, comme ils disent tous, que le bout de bois, souvez-vous de bois. Voilà. et une très fois qu'ils l'auront touché, je leur souhaite de le toucher un jour et peut-être le plus vite possible. Eh ben, je pense qu'ils basculeront, comme le font les Clermontois depuis, qui chassent plus la Coupe d'Europe, ils basculeront sur une envie européenne. Mais, euh, mais les Toulousains aussi, d'ailleurs, euh, époque post-Novesse et donc euh, l'arrivée du Gomola, euh, Didier Lacroix, euh, prioriser le top 14. Oui, et c'est oui. à partir de 2017, quand ils ont eu... Quand, euh, pas, 2019, pardon, que vraiment, ils ont, ils ont, ils ont fait de la Coupe d'Europe la priorité et ils l'ont gagné cette année. Très bien, merci beaucoup Léo pour tes analyses. C'est un plaisir. Demain, nouvel épisode, on partira dans le Tarn avec David Bourniquel pour vous parler du, du CO. Bon week-end de rugby à tous, et bon, euh, bon week-end à, à tous ceux qui, qui ne jouent pas de, devant vos écrans, en bord des terrains ou sur birama-midi-olympique.fr. Au revoir. Au revoir.